Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire une revue sur la Mermaid Plushy et la chantilly Paddy Co. Vous pourrez retrouver ces deux produits sur la boutique Mode for You, les liens seront en barre d'infos. On commence tout de suite par la Mermaid Plushy, pour ma part c'est couleur biscuit mais vous pourrez retrouver la Mermaid Plushy couleur blanche et couleur marron foncé. Il y a 50 grammes à l'intérieur et donc c'est de la marque Paddy Co. Vous venez prendre votre quantité que vous souhaitez. Et ensuite, vous la malaxez, comme vous pouvez le constater à la vidéo, elle est très malléable. Et ensuite, vous venez coller la Mermaid Plushy sur votre support. Pour ma part, c'est une base de cupcake. Et ensuite, vous procédez comme pour de la fimo. Vous venez former le dôme, en vous aidant de votre paume de main, pour pouvoir faire un arrondi. Et ensuite, vous venez texturer. Sans oublier les côtés. Étant moyennement déçue de la Air Light, la Mermaid Plushy m'a vraiment très conquise. Pour la conservation, vous venez scotcher un peu le côté que vous avez découpé. Et ensuite, vous mettez votre Mermaid Plushy dans un sac de congélation que vous venez refermer. On passe maintenant à la chantilly Paddy Co. Voici le packaging. Il y a à l'intérieur 120 g de chantilly. Sur le côté, il y a la contenance du kit, ainsi que les deux autres couleurs de chantilly que vous pouvez retrouver, donc couleur fraise et couleur chocolat. Et derrière, le petit explicatif. Donc dans ce kit, vous y retrouverez la chantilly. Vous allez venir découper le haut. Et c'est donc un sachet refermable. Ensuite, il y a la cuillère, ainsi que deux poches à douille avec l'embout douille chantilly en forme d'étoile. Vous allez venir découper la pointe à environ 3 cm et vous venez y insérer l'embout. Vous prenez la quantité souhaitée de chantilly que vous venez mettre dans la poche à douille. Il ne vous reste plus qu'à l'appliquer sur votre support. Le seul point négatif de la chantilly Paddy Co, c'est son odeur. Elle dégage une assez forte odeur. Pour ma part, je stocke le tout dans un petit sachet zip. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à attendre environ 12 heures que ça sèche. Et après, vous pourrez customiser votre création selon vos envies. Ces deux produits sont vraiment mes deux gros coups de cœur que je vous recommande si vous ne les avez jamais testés. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !